Salut tout le monde, c'est Squeezie Junior, on se retrouve pour l'épisode 4 de Spider-Man. Ce sera une plus petite vidéo que la dernière fois, parce que l'épisode 3, il était assez grand. De nuit là, comme ça, c'est trop beau. Je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de mouton, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Avis aux agents, on vient nous signaler une agression. Agents dans le quartier de Nomade, répondez. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de missions annexes. Joli. C'est imbécile, ils vont tuer quelqu'un s'ils continuent. Jeune homme, arrêtez immédiatement ce véhicule. Allez, Spider-Man. Hé, ça c'est pas sympa. Terminus. Bonne chose de faite. Il y a bien assez de chauffeurs fous dans cette ville comme ça. À toutes les unités, vente de drogue signalée demande l'intervention d'un agent. Rendez-vous dans le nord d'Houston. Terminé. On sait qu'il y a là. Que serait New York sans ses trafiquants? Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Allez les gars, on peut oublier ça! C'est pas cool! Pas cool du tout! Frappez-le! Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Un texto à Yuri. Super fenêtre. Mais j'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges derrière. On va essayer de faire un maximum de choses. De toute façon, je pense qu'on fera tout.
réservons le droit de ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. Braquage à l'ancienne. Même les criminels se mettent au vintage. Fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. Salut, Herman. Sérieusement? Dans mes souvenirs, celui-là, il est simple. Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ça serait une perte de temps. Wow! C'est sur ta part? À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi! Que ça soit un minimum intéressant! Herman? Quoi? Faut t'appeler Shocker, c'est ça? Monsieur Shocker? Voilà. Parlons un peu. Figé. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel! Il faut vraiment être désespéré! Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix! Tu dois travailler avec quelqu'un! Ou pour quelqu'un! Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus! C'est toi qui vois! T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Wow! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. On va faire la dernière mission, MJ. Puis après on va s'arrêter là. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi?
Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce... Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. J'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Hey ! Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Avant de m'arrêter, j'ai juste envie de prendre un peu d'huile sur la ville. Et au passage, je vais faire quelques missions annexes. Hey Doc, désolé hein. Vous me disiez que vous aviez arrangé les choses avec le comité de subvention ? Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain ? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. À toutes les unités, avis d'attaque. Incident dans le sud d'Houston. Allô ? Peter ? C'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage.
J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Allez, dodo. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? Bah quoi? Ça vous amuse pas de vous faire frapper? Que ça vous serve de leçon! Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Il était un peu plus court que d'habitude. J'espère que vous avez aimé. Et c'est ciao.